Vous avez là 600 kilos d'ivoire qui était prêt à être exporté vers le Vietnam. Vous avez 600 kilos de cailles de pangolin qui devaient aussi aller en Asie. Voilà. Et donc, vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. Et que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé, en collaboration avec nos partenaires extérieurs, pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire.